Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Noz pour une nouvelle vidéo d'arrivage. On est à l'Ampertime et on a un super stand d'arrivage de mobilier et décoration qui sont quand même très stylés. Notamment, regardez, on a un meuble télé. Alors c'est un meuble télé qui est tout en bois, qui coûte normalement 900 euros. Il passe à 360 euros. C'est un déstockage de chez Interiors, que vous connaissez bien. Alors, est-ce que j'ai d'autres? Ouais, il fait 1m60, 48 de hauteur. On a ici divers tableaux. 135. Je pense que c'est tout à moins 60. Après, il faut faire des calculs. On a de jolies lanternes ici à 125 avant remise. Le dôme, là, il est à 69 euros. Je vous montre de loin hein, pour que ça soit plus facile à observer pour vous. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos magasins aussi. Oh, les tableaux sont beaux. Par contre, prix de base, ouais, ça pique un peu. Ça fait combien? 160, ouais, ça fait 64 euros. Par contre, le cadre, il est d'une qualité exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est important pour vous ou pas. On a ici une jolie table qui est normalement à 1000 euros, qui passe à 400 euros. Ça, je peux vous dire que c'est un truc qui est canon. Hein. Parce que franchement, table, elle fait 1m80. Pourquoi il y a écrit 3400 euros? Il y a écrit 3400 euros et 400. On va venir découvrir en magasin. On a ici encore un bahut. C'est un vaisselier, je pense. Attendez. C'est pas précis. Ah, c'est une verrière. C'est un grand buffet avec verrière. Normalement, il coûte 5300 euros. Il passe à 2100. Bon, on est sur du bois massif, hein, vous l'avez compris. Dimension 1m90 par 2m20. Le scribe avec tiroir, il est à 600 euros au lieu de 1005. La jolie lampe, elle est à 460 euros. Regardez comme elle est trop belle, même la couleur. Donc 460, moins 60%. Les petites figurines, c'est 35 euros avant remise. Et vous avez aussi de jolis photophores comme ça. Prix de base, 19 euros. Donc là, heureusement, j'ai pas fait tomber le verre, donc là j'ai fait tomber cette partie là, donc ça c'est 19 moins 60 et vous avez celle là aussi à 35 moins 60, bon voilà, tout est sympa, il reste plus qu'à voilà, à venir voir sur place. Allez, je vais en rayon. On va découvrir des choses qui sont plus dans notre budget, je dis ça en rigolant bien sûr, chacun son budget. Pour les jolis loisirs créatifs, on a ici des canevas en 20x20 Diamond Painting, ils sont à 3 euros au choix. Vous avez différentes couleurs. Hein. Vous avez également des kits crochets comme ceci à 4 euros. Qu'on peut s'offrir ou offrir à quelqu'un qui aime ce genre d'activité. Petite figurine ici de chez Mickey Mouse. Elles sont à 13 euros pièce. Alors il n'y a que Mickey, il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui. Et par ici, on a des coussins de sol. Ils sont à 6 euros. Ils sont pas mal. Ils doivent faire au moins 10 cm d'épaisseur et en termes de diamètre, je pense qu'on est, ouais, on est sur du 40. Vous l'avez aussi en verre à côté. Ils sont de bonne qualité. 6 euros pièce. De loin, alors bon, il y a des chats là, comme ça, qui sont posés en statue. Ils sont très lourds. Bon, j'ai un prix là-dedans ou pas? Non, j'ai pas de prix. Ah si, 16 euros. 16 euros. Et là, j'ai vu ces petites figurines. Pas du tout ce que ça représente, ça. Ça coûte 2,50 €. C'est pas très belle. On a des dessous de plat là, 1,50 €. C'est un chien ou c'est quoi déjà? De loin, j'ai vu ces petits plaids. C'est des plaids en 100% coton. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. 1,25 m par 1,50 m. Et ils sont à 8 euros. Franchement, ça peut rendre bien. Allez, par ici, j'ai trouvé des petits bacs. On a des fouets qui sont à 2 euros. Vous avez mange-bois. Il n'y a que mange-bois pour le fouet. C'est aspect bois. Vous avez des presses purées. Alors, j'aime pas trop ces presses purées. Je trouve que ça rend pas de la purée très mince, enfin, très fine. Vous voyez, il y a aussi ceux qui ont une espèce de plaque avec des petits trous. Je trouve que c'est le rendu est mieux. Bon, ça coûte 2 euros. On a des tamis ici de différentes tailles. Celui-là, vous les trouvez toute l'année hein, chez Noz. Ils sont à 3 euros en 20 et en 25, ils coûtent 3,50 euros. Voilà, au choix. Après, on a des petits emporte-pièces ici à 1,50 €.
Ça, c'est pour presser les citrons. Ça coûte 2,50€. Et les petits ciseaux, ils sont... On n'a pas le prix. Ok ? Ça, ce sont des bouteilles qui sont à 7€. Bouteilles de 52 centilitres. Celles-là, elles sont plus chères, elles sont à 13. Donc, je ne sais pas si ça correspond. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah si. Celles-là sont à 13€. Voilà, elles sont jolies, mais le prix est supérieur à la moyenne. Celle-là, je vais peut-être l'ouvrir pour vous montrer. Celle qui est à 7€, c'est celle-là. Et alors, ce que vous voyez à côté, Kalimba, grand modèle, 25€. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On sait tous scotché, on ne peut pas les ouvrir. Et là, vous avez des recharges, apparemment, hein, à 13€. Et pour finir, on a des petites poupées, là, à 1,50€. Alors là, il y a plein de pots. Pour l'extérieur, oh, ils sont beaux. Alors celui-là, il est à 30. On a des jardinières à 10. Regardez, celui-là, il est sympa aussi. Il est à 22. Et plus vous prenez petit, plus c'est dégressif. Là, le petit carré, il est à 15. Mais ils sont beaux. Ils sont très, très beaux. La marque. Voilà l'étiquette. Et le intérieur, ils y continuent ici. Punaise. Je savais pas que ça avait fait faillite la Interiors. Tout est à moins 60. Hein, donc là, les prix. Elle est super belle là, la petite vitrine. Je sais pas si elle est en vente quelque part. Bon, on est à 40€ ici en prix de base. Ça revient à 16. Ça reste un budget. Après, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui emménage, vous offrir un truc bien. Ça revient à 40 après remise. Là, on est à 95 avant remise. On retrouve ce qu'on a là. Tiens, la petite lampe, là, elle est chouette. Avec une nouvelle abat-jour. 165 avant remise. Donc, on est à 64€. En soi, ça va. Oh, il y a des belles chaises aussi. Hein. Chaises en bois massif à l'ancienne. 60€ la chaise. On en a d'autres ici à 179 au lieu de 450. La chaise un peu vintage, là, elle est à 147. Ah, elle est en cuir, tu m'étonnes. 147 au lieu de 370. Après, on a de belles décos aussi, ici. Si vous voulez acheter que le pied de lampe, bah, c'est 165 aussi. Ah, les chaises, elles sont vraiment belles. Franchement, elles sont tellement... Je pense qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont vendues. Elles sont vraiment belles. Après, vous voyez ici, vous pouvez chiner plein de petits miroirs et tout. Bon, il faut faire son petit calcul, mais bon, c'est le prix à payer pour avoir une belle pièce maîtresse à la maison. Et en fin de compte, avec l'armise, c'est pas plus cher que chez Maison du Monde. Et je pense qu'en termes de qualité, on est gagnant. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour de l'autre côté du magasin. Attendez. De loin, j'ai vu ici ce petit stand avec des mugs, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est un prix net? Oh, ils sont à 1,50€ les mugs. Joli, si vous avez besoin d'en changer. Là, on a des poignées de porte à 8€. Elles sont bien aussi, hein. Franchement, elles sont propres. Et regardez le stock qu'il y a. Si vous voulez changer toutes celles de la maison, il y a moyen. Et on va retrouver ces... Ça, c'est des chiens, je crois bien. Ils sont à 14€. On a l'écureuil. Je rigole parce que c'est tous de la même marque. L'écureuil, il est à 10. Ça se trouve, vous allez me dire, c'est canon, hein, et que je suis dans l'ignorance totale. Ça coûte 12€. Et voilà. Bon, écoutez, moi, je suis très contente de m'être arrêtée chez Nose aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. On se retrouve un peu plus tard dans un nouveau magasin. Prenez soin de vous, les jolis. Bye.